Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous, que Dieu nous bénisse. Merci, 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 merci énormément, vous qui êtes connectés, branchés ce matin sur ce programme. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Merci, merci au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Et shalom, Pasteur Honorine. Shalom, 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 homme de Dieu, apôtre pour la vie, Isaou. Que le Seigneur te bénisse encore ce matin. Parce que tu es toujours fidèle au poste, nous te bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons la personne qui est là devant nous à l'écran. Nous bénissons les enfants de la Divine Alliance, là où les rêves se concrétisent, là où les vies changent. Nous te bénissons, ma sœur de la Divine Alliance. Nous te bénissons, mon frère. Nous bénissons tous les précédeurs et précédeuses d'Aurore. En ce moment, vous êtes tous éveillés. Et nous bénissons les personnes qui vont nous rejoindre entre-temps dans cette émission. Nous voulons qu'aujourd'hui encore, que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que tout ce qui se passe ici, c'est vraiment sous la grâce du Saint-Esprit. Nous demandons que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne, qui nous donne la révélation, l'intelligence, la sagesse de comprendre et de faire les choses pour la gloire de son nom et pour que nos vies soient bénies. Laisse que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de te connecter et de liker et d'inviter quelqu'un pour se joindre à nous et que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Donc Amen. voilà, donc il est doux et agréable pour nous d'être ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Chaque matin, nous sommes là pour répondre à l'appel de Dieu. Nous sommes là pour conduire un peuple devant la présence de son Seigneur. Amen. Et nous en sommes infiniment reconnaissants. Hier, nous étions encore là et on était en train de parler sur le fondement maléfique, la délivrance des fondements, la délivrance des racines maléfiques. Et nous étions précisément en train de parler de Moïse. On disait le fondement de la colère. On a vu comment tout ce que Moïse a perdu gros avec sa colère, et nous étions en train de parler des comportements, je crois, des hommes africains ou des hommes congolais, tout ça. Et je voudrais qu'aujourd'hui nous puissions retourner là où nous étions arrêtés pour que une personne soit remplie. En fait, je voulais remettre les cadres. Donc, disons, nous sommes en train de parler de la délivrance. La délivrance. La délivrance est très importante. Moi, je bénis Dieu parce que il nous a pas laissé il nous a pas laissé sans armes. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur le serpent et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et Dieu nous a fait la promesse en disant que rien ne pourra vous détruire. Donc nous avons cette responsabilité quand les choses ne marchent pas, que nous puissions faire en sorte que ces choses puissent marcher. Nous avons beaucoup de traitements, comme j'aime bien le dire. Donc nous avons la prière, nous avons l'imposition de mains, nous avons des jeûnes, nous avons des sacrifices que nous devions faire. Donc il y a toujours quelque chose que Dieu attend que tu puisses accomplir pour que la délivrance soit une réalité dans ta vie. Amen. C'est vrai qu'à la croix, Christ a tout accompli, donc la part de Dieu a été faite. Donc la part de Dieu, donc là, il n'y a plus rien à faire. Mais chacun de nous a aussi sa petite part à faire pour qu'il puisse accomplir sa propre destinée. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la colère. Nous disons que la colère n'est pas une bonne chose. La colère, vraiment, c'est une mauvaise chose. Donc c'est une mauvaise semence que nous devions déraciner dans notre vie. Et hier, nous avons dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 20, donc la Bible nous dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc même quand tu es en colère, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas que tu es agréable à Dieu, non. Quand tu deviens en colère, donc tu deviens même ennemi de Dieu. Donc parce que la colère est aussi... donc comment dirais-je, et aussi l'injustice de Dieu. Donc l'injustice, la colère de l'homme est égale à l'injustice de Dieu. Donc Dieu veut que nous puissions accomplir sa volonté et Dieu attend à ce que nous puissions dominer la colère. Nous avons dit la colère c'est quoi? C'est la manifestation violente d'un mécontentement, d'une irritation intérieure qui peut se traduire par un état de rage. Donc quand quelqu'un est en colère, cette personne-là ne se contrôle plus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une définition psychologique. Mais quand nous allons dans le spirituel, nous disons que la colère, dans le plan spirituel, c'est un démon qui nous pousse
à toutes sortes de réactions violentes et incontrôlables. Tu verras que quelqu'un qui aime une personne, mais à cause de la colère, il va détruire la vie de la personne qu'elle aime. C'est pas qu'elle n'aimait pas la personne, mais elle a détruit cette vie. Tu vas voir qu'il y a un homme qui a attrapé sa femme à fragrance de lui d'adultère et qui a tué cette femme. C'est pas qu'elle n'aime pas cette femme, il n'aimait pas cette femme. Non, c'est il a agi sous l'emprise de la colère. Donc il ne savait plus se contrôler. Il savait plus contrôler ses actes. Il ne savait plus contrôler ses actions ou encore ses paroles. Donc, il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions comprendre que la colère a des conséquences néfastes dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons dit, donc, il est important, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre ces choses. Même si tu as été maltraité dans ton enfance, tu n'as pas le droit de détruire la vie de tes propres enfants et tout cela, et tu dois faire très attention avec la colère. Et nous sommes en train de parler d'un homme de Dieu, un grand homme de Dieu que la Bible appelle un prophète. Et cet homme, c'est Moïse. Et nous avons dit que cet homme, il a parlé avec Dieu. Cet homme est resté dans la présence de Dieu. Cet homme, Dieu lui a donné une grande mission, mais il n'a pas pu accomplir sa mission. Pourquoi? Parce que la colère était là et la colère l'a empêché de rentrer dans sa bénédiction, c'est-à-dire que de voir la terre promise. Donc, il est fui comme un roulage. Donc, il a montré aux autres le chemin, mais lui, il est resté donc sans rentrer dans la terre promise. Voilà, Pasteur Honorine, là où nous étions arrêtés. De Dieu, quand nous parlons de la colère, pourquoi nous disons que quand nous parlons de la colère, nous ne plaisons pas à Dieu? Parce que qu'est-ce qui se passe? Dieu, la Bible nous dit que c'est le juste juge. C'est lui qui juge et qui tranche les choses équitablement. Donc Dieu sait qu'il y a une puissance, il y a une opposition. Il sait qu'il y a quelque chose qui te pousse à te mettre en colère. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que le diable, c'est comme un lion. Il rôde tout autour de nous, passe tout autour de nous, parce que la Bible nous dit que quand un esprit est dans une maison, là il se trouve dans son temple, il est bien. Mais quand tu viens le chasser hors de sa maison, là où il est parti dans les lieux arides, il n'est pas à l'aise, il n'est pas bien, parce que les esprits opèrent dans des corps. Il n'est pas à l'aise, il va chercher à ce qu'il va trouver un moyen pour se remettre encore dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de rôder autour de toi. Il rôde comme un lion, il rugit pour voir s'il y a une porte qui va s'ouvrir. Les lions rugissants, c'est l'esprit de la colère. Ces lions-là rugissants, c'est quelque chose qui va te motiver, qui va te pousser à te mettre en colère. Mais le but, c'est quoi? Ce n'est pas que tu ne te mettes pas en colère, mais que tu ouvres une porte. Tu peux te mettre en colère, mais quand tu ouvres une porte par tes paroles ou par tes déclarations ou par les choses comme ça, lui, il va rentrer, pas pour détruire, mais pour vraiment ravager. La Bible dit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, c'est un voleur, il vient pour égorger. Donc, quand il rentre dans ta vie, quand il ne sait pas égorger, il détruit. Il met les désordres, il saccage. Ici, s'il a l'occasion, il vient égorger, donc il vient tuer. Donc la colère ouvre la porte dans ta vie pour tuer. Raison pour laquelle on te dit, on ne t'interdit pas de te mettre en colère. Tu peux te mettre en colère. Cela veut dire que nous ne pouvons pas empêcher les diables de nous tenter. Le diable peut nous tenter par plusieurs manières, par les gens qui sont à la maison, par notre mari, par nos enfants, par l'entourage, par notre pasteur, par tous les gens que nous côtoyons tous les jours, parce qu'il ne peut pas nous tenter hors de notre périmètre. Il va toujours utiliser les gens qui nous sont chers, les gens que nous aimons beaucoup, les gens qui peuvent facilement nous trahir et nous décevoir pour que justement cette colère s'enflamme puisqu'il puisse avoir l'efficacité. Maintenant, toi, tu as la responsabilité de te maîtriser, de te gérer. Pourquoi? Parce que quand tu te mets en colère, cela veut dire que tu accomplis ta justice toi-même. Tu as été abusé, tu as été maltraité, tu as été injustement, tu as été vraiment, comment on dit, manipulé, des choses comme ça. Il y a des gens qui vivent dans des mariages avec des maris qui sont menteurs, qui sont manipulateurs, qui sont comme ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est le diable qui utilise cette personne pour détruire ta destinée. Quand tu as compris cela, tu vas jouer maintenant un autre jeu avec ces choses, avec ces gens-là. Dieu va bien faire sa justice parce que quand toi tu vas te mettre en colère, tu veux faire les choses par toi-même, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te laisser régler tes problèmes. Or, toi, étant qu'humain, tu ne sais pas régler les problèmes avec les esprits. Et il ne s'agit pas d'une personne, mais il s'agit de l'esprit qui est dans cette personne-là. Alors, quand il s'agit de cet esprit, toi, étant qu'humain, tu ne sais pas contrôler ou tu ne sais pas prendre décision ou tu ne sais pas
comment justifier les choses avec les esprits. Il faut laisser à Dieu qui est le maître de tous les esprits pour accomplir sa justice. Raison pour laquelle Dieu ne permet pas que tu te mettes en colère, parce que cela veut dire que tu prends tes clics et claques, tu prends tes fardeaux, tu es en train de gérer tes problèmes toi-même. Alors il te regarde. Pourquoi les paroles que tu as prononcées, la colère qui est rentrée en toi, ça va faire de l'effet. Tu n'as aucune protection. Mais quand tu le laisses faire cette justice-là, il est mieux placé. On appelle le juste et juste. Imagine-toi que tu vis avec quelqu'un qui est manipulateur, homme de Dieu. Tu vis avec un mari comme Abraham, qui est là, qui a sorti avec ta servante, l'enfant est là, qui est là, qui a fait des choses, qui va mentir en ton nom, qui va même te pousser à faire des choses, à te séparer des gens, qui va te pousser à faire la prostitution. Quelqu'un comme ça, tu vis avec lui parce que les mariages, vous ne pouvez pas vous séparer, c'est une loi divine, mais tu as la haine avec cette personne-là. Cette personne-là, il n'y a que Dieu qui peut te séparer avec lui. Parce que tu peux l'insulter, tu peux, je ne sais pas, tu peux te fâcher, tu peux faire tout ce que tu veux, tant que l'esprit de l'ennemi est toujours en cette personne-là, ça va toujours continuer à le pousser à te faire du mal. Ça va toujours l'habiter pour te mettre en colère. Donc cela veut dire que tu vas te fâcher aujourd'hui, demain il y aura encore une autre problème, tu vas encore te fâcher, tu vas te fâcher aujourd'hui, tu vas croire qu'il peut-être qu'il va régler ce problème, mais le lendemain il va faire plus que ça, tu vas encore te remettre en colère, raison pour laquelle c'est une justice interminable. Et en fin de compte, c'est toi qui vas t'épuiser. Tu vas avoir des maladies, tu vas avoir des dépressions, tu vas avoir des maux d'estomac, tu vas avoir des hypertensions. Un jour, tu vas crier, tu tombes, tu meurs. Mais lui, il va rester avec son esprit. Il va encore trouver une autre victime pour encore les détruire. Donc, le problème, c'est que tu peux te mettre en colère, mais tu remets ses sorts à Dieu. Et étant que humain, tu vas manifester ton mécontentement sans ouvrir la porte. Le problème, c'est ça. Tu vas manifester ton mécontentement, que tu n'es pas d'accord avec ça, et, mais sans ouvrir la porte. Ça veut dire que sans maudire, par exemple. Ça veut dire sans insulter, par exemple. Sans ouvrir, sans faire des choses qui vont te pousser à rendre justice toi-même. Tu vas lui faire comprendre. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas parler. Tu vas parler, tu vas dire, je ne suis pas d'accord de ton comportement, des choses comme ça, tu exagères, tout ça. Mais quand tu parles, tu sais, étant enfant de Dieu, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire? Des gens que toi tu exagères, ah, tu insultes, tu dis un mot. Non, là, c'est déjà, tu commences déjà à ouvrir la porte. Quand tu commences à maudire, toi tu es maudite, tu commences à ouvrir la porte. Mais quand tu exprimes ton mécontentement parce que tu es en colère, c'est normal que tu exprimes ton mécontentement tout en n'ayant pas ouvert les portes. Ça, c'est le problème. Donc, c'est un exercice qu'on peut faire. Nous pouvons nous mettre en colère, mais nous ne devons pas nous pécher pendant que nous sommes en colère, comme le psaume 4 nous dit. Nous ne devons pas nous coucher, cela veut dire que nous ne devons pas pécher pendant que nous sommes en colère. Donc, c'est vraiment ce que je peux résumer par rapport à la colère. Nous ne devons pas faire notre justice nous-mêmes et nous devons remettre ce sort à Dieu. Il faut aller accuser, comme les avocats vont chez les tribunaux célestes. Seigneur, j'ai un mari qui est manipulateur. J'ai un mari qui est sorcier. J'ai un mari à travers de lui. Maintenant, je commence à me mettre en colère. Là, je parle de mari parce que je suis une femme. Peut-être vous allez dire autre chose. J'ai un mari qui est comme ça, qui est comme ça. Il faut à chaque fois l'accuser auprès de Dieu. Et c'est Dieu qui les connaît, qui l'a créé. C'est Dieu qui peut soit les changer, soit l'écarter de toi. Dieu peut l'éloigner de toi. On a vu des gens qui sont partis d'eux-mêmes. Donc, Dieu peut l'éloigner de toi pour que tu puisses vivre ta vie tranquillement. Gloire à Dieu. Donc voilà, nous parlons de la colère, toujours et de la colère. Voilà, donc c'est une mauvaise semence et c'est un mauvais héritage. Et la colère que nous parlons aujourd'hui, c'est surtout un héritage, un mauvais héritage, parce que nous avons dit Moïse, et sa colère, il a hérité sa colère depuis ses grands-parents. Donc nous avions parlé de Lévi, et nous avons parlé des ancêtres de tous les Lévites. Et nous avons dit que c'est à cause de cette colère que Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Et David nous dit dans le psaume chapitre 4, le verset 4, « Tremblez et ne péchez point. » Donc, il ne parle même pas de pas, mais il dit « ne péchez point ». Donc, il nous interdit de pécher. Et il continue en disant « tu peux parler, mais tu parles dans ton cœur sur votre couche. Et puis, taisez-vous. » D'accord ? Donc, le risque, c'est quoi ? C'est quand tu parles à haute voix et que les gens t'attendent, tu vas risquer de blesser les autres. Donc, quand tu es en colère, donc ici, la Bible nous dit « nous devons apprendre à ne pas parler. » Donc, il est important, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions maîtriser notre colère. La maîtrise de ta colère nous montre que tu es devenu mature. Donc, il est important, bien-aimé dans le Seigneur,
Comme je l'ai dit la fois passée, tu dois connaître ta vie. Tu dois examiner les raisons qui te poussent à être en colère. Amen. Donc, tu dois examiner ces raisons et tu dois comprendre qu'il est important que tu restes calme malgré les provocations. Donc, il y a certaines personnes qui vont te provoquer pour te mettre en colère. Mais Dieu attend à ce que tu ne puisses pas te mettre en colère. Nous avons dit, tu dois faire l'exercice de comprendre comment est-ce que tu réagis face à certaines choses. Il y a parmi nous des gens qui se mettent souvent en colère. Il y a des autres qui se mettent de temps en temps en colère. Il y a des autres qui se mettent tout le jour en colère. Donc, la fréquence par laquelle toi, tu te mets en colère, c'est quelle fréquence? Ça, il est important que tu puisses le savoir. Est-ce que tu te mets jamais en colère? Est-ce que presque tout le temps, tu es en colère? Est-ce que tout le jour, tu es en colère? Comment décris-tu ta colère, ma sœur? Est-ce que c'est une petite colère, c'est une grande colère ou c'est une colère violente? D'accord? Donc, et la troisième question que nous étions posée, c'était de savoir contre qui tu te mets en colère. Amen. Est-ce que tu te mets toujours en colère contre ton mari, comme le dit Pasteur Honorine, parce que Pasteur Honorine parle souvent de femmes qui se mettent en colère contre leur mari. Ou bien tu te mets toujours en colère contre ton enfant, parce que cet enfant-là, ben, le mari qui te l'a fait, il est parti, et toi, quand tu vois la tête de cet enfant-là, il te fait penser à son père, et tu détestes sa tête, d'accord? Donc, tu te mets facilement en colère contre qui? D'accord? Donc, si tu réalises que tu as besoin de maîtriser ta colère, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu puisses comprendre ces choses. Et comme nous l'avons dit, tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, ton bien-être. Pour ton bien-être, il est important que tu puisses maîtriser ta colère. Je ne parle même pas pour l'autre, je parle pour ton bien-être, pour ton bien-être. Ton corps n'a pas été créé pour être en colère. Et nous avions dit la fois passée, hier, que la plupart des maladies qui nous tuent aujourd'hui, ce sont des maladies de cœur. Et quand tu regardes bien, qu'est-ce qui est derrière ces maladies? C'est la colère. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 14, le verset 30, un esprit paisible donne la santé. D'accord? Donc, quelqu'un qui est calme, cette personne-là aura une bonne santé. Mais quelqu'un qui se met tout le temps en colère, bien aimé dans le Seigneur, cet homme aura de maladies. Donc, il est important pour ton bien-être que tu apprends à maîtriser ta colère. Maîtrise ta colère. Quand tu es en colère, n'agis pas. Quand tu es en colère, ne commence pas à parler. Quand tu es en colère, attends que la colère soit partie pour que tu puisses réagir. Et nous avions parlé d'hier de comportement de ces femmes et qui dorment avec la colère, parce qu'Éphésiens chapitre 4, je crois le verset 25 ou 27, la Bible nous dit tu ne peux pas coucher avec la colère. Et nous avons dit, il y a certaines femmes, comme je le dis, suite à la colère, elles vont priver leur mari du sexe. Elles vont priver leur mari de leur corps. Or, la Bible nous dit, le corps de la femme appartient à son mari, de la même manière que le corps de mari aussi appartient à sa femme. Mais à cause de cette colère, tu vas voir que cette femme, elle va commencer à s'habiller la nuit déjà. Elle commence avec le pyjama. Après le pyjama, c'est les jeans. Après le jean, c'est le peignoir. Donc, tu risques même de t'étouffer la nuit. Les gens, ils viendront, ils te trouvent morte. Pourquoi? Parce que tu t'es étouffée, parce qu'il fait chaud maintenant, et toi, tu te mets tous ces couvertures. Pourquoi? Donc, je ne sais pas pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas pour ton bien-être. Donc, il est important que nous puissions maîtriser notre colère. On ne t'interdit pas de te mettre en colère, mais on te dit simplement, maîtrise ta colère. N'agis pas sous le feu de la colère. Parce que le but, c'est ça. Le but de l'ennemi, c'est ça. Tu es une femme mariée, tu es un homme marié. Le diable est ennemi du mariage. Il va essayer de rentrer. Ce n'est pas seulement la colère. Il y a plusieurs mots qui peuvent rentrer. Mais là, on parle de la colère. La colère va venir pourquoi? Parce que le but, c'est peut-être pas que tu te fâches, mais le but, c'est justement de te séparer avec ton mari. Le but, c'est justement que vous soyez plus unis, que vous ne soyez pas dans le même esprit du mariage. Le but, c'est que vous soyez toujours éloignés. Le but est qu'un jour, vous finissez par demander le divorce. Le but est qu'un jour, chacun puisse partir chez lui. Donc, le but, c'est vraiment ça, que l'ennemi vient. Mais il vient comment? Il peut utiliser un des partenaires. Et maintenant, c'est à nous de comprendre pour dire, ah, là, ce n'est pas mon mari, par exemple,
mais c'est l'esprit qui est en mon mari, donc je me maîtrise pour ça. Et mon mari doit comprendre que, ah, pourquoi je dois pousser ma femme à se mettre en colère. Donc, dans tous les deux parts, nous avons une responsabilité à faire. Mmh. De la même façon que la femme se maîtrise, elle ne va pas se mettre en colère. De la même façon que le mari ne va pas se plaire à mettre l'autre en colère, parce que la Bible dit, le malheur va arriver. Mmh. Mais malheur à la personne sur qui, par laquelle le malheur passe. Mmh. Mmh. Donc, le problème va arriver. Le diable va arriver. Le diable va me tenter. Le diable va me pousser à me mettre en colère, mais c'est dommage si c'est à travers de mon mari qui me met en colère, parce que tu es une porte qui a permis que le diable puisse entrer. Donc toi aussi, tu dois fermer ces portes-là pour essayer de garder l'harmonie dans notre vie conjugale. Donc, c'est pas seulement par rapport à la colère, mais c'est par rapport à nous tous. Peut-être toi, c'est un fondement de non-maîtrise, c'est un fondement de pensée qui te pousse toujours à me pousser à me mettre en colère, qui te pousse toujours à faire des choses qui vont mettre en colère. Donc nous avons des fondements maléfiques qui fait en sorte que le diable rentre dans notre vie pour nous séparer. Donc tu dois comprendre que la colère que j'ai donnée à ma femme, ce n'est pas pour mon intérêt. Donc c'est comme ça que je disais, pasteur Honorine, la personne, moi je m'adresse à la personne qui se met tout le temps en colère. Je dis, la colère, comme le dit Jacques chapitre 1 verset 20, n'accomplit pas la volonté de Dieu, d'accord? Et la colère, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bien pour ta santé. Donc tu dois éviter de se mettre tout le temps en colère. Parce qu'un jour tu te mettras en colère et tu vas te retrouver à l'hôpital, tu as fait une crise des AVC. Bien aimé dans le Seigneur, mets-toi maintenant dans la peau d'une personne qui a fait la crise des AVC. Cet homme-là, tel que tu le connais, est-ce qu'il restera toujours avec toi? Les enfants que tu as aujourd'hui, qui va s'occuper de ces enfants? Amen. Tes affaires, bien-aimés dans le Seigneur, ta vie, ta famille. Il y a tellement de gens qui dépendent de ta bonne santé. Et aujourd'hui, si tu détruis ta santé, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne vas pas simplement détruire ta santé, mais tu vas détruire la vie de beaucoup de gens. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne te fais pas compagnon de quelqu'un qui est sujet à la colère. Donc, ne va pas avec un homme qui a assez à la fureur. C'est pourquoi il est important de comprendre que la colère va détruire ta relation avec Dieu, mais ça va aussi détruire ta relation avec les autres. D'accord? Ça détruit même ta réputation. Donc, aucun homme ne voudra bien rester avec une femme qui est explosive. Tu peux avoir la beauté, mais si tu as un mauvais caractère, si tu as un caractère explosif, tu vas voir que les gens vont commencer à s'éloigner de toi. C'est pas parce que, oui, c'est pas parce que tu n'es pas belle. Non, mais parce que tu as un mauvais caractère. Donc, à travers ce genre de mission, nous parlons de la responsabilité de tout un chacun et nous parlons surtout de l'aspect spirituel en disant que, et donc, il est important que nous puissions monter dans la spiritualité pour maîtriser certains comportements parce que ces comportements sont néfastes, ces comportements ne nous arrangent pas et ça ne nous bénit pas. Voilà, pasteur Honorine. Je veux dire à quelqu'un, ne laisse pas gagner les diables. Il faut pas que les diables se plaisent, qui disent que ah, je l'ai vaincu. Il faut pas que les diables se plaisent, disent que ah, j'ai eu ce que je veux. Nous avons eu ce que nous voulons. Qu'est-ce que le diable veut? Le diable veut que tu puisses mourir, que tu puisses laisser tes enfants petits, que tu puisses laisser tous tes biens et que lui puisse s'en réjouir. C'est le but du diable. Il y a des gens comme ça qui viennent dans ta vie. Leur but, c'est quoi? De t'amener au cimetière, au tombeau, bien sagement, bien scellé, qu'ils puissent regarder comment on est en train de t'enterrer pour qu'ils puissent se réjouir après toi. Donc, tu dois comprendre que quand tu te mets en colère, ce n'est pas le but. Il y a beaucoup de victimes qui sont autour de toi qui vont être délaissées à cause de ce problème. Donc, Dieu là, tu ne te mets pas seulement en colère pour garder ta vie, pour garder ta santé, mais tu ne te mets pas en colère pour aussi garder la vie des gens qui sont autour de toi. La vie de tes enfants, par exemple. La vie de tes gens qui sont chers, tes amis, tes connaissances, ta famille. Toutes ces personnes-là ont besoin de toi. Toutes ces personnes-là n'ont pas besoin d'entendre que ah, notre ami a piqué une crise, est morte. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis en colère. Qui sait si cette personne-là est venue dans ta vie pour te tuer? Il y a des gens comme ça qui viennent dans ta vie dans un but. Son but, c'est te tuer. Son but, c'est t'apporter vraiment au tombeau. Donc, ce sont des choses que tu dois comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois rester examiné comme l'homme de Dieu a dit, apôtre. Tu dois réfléchir. C'est quoi? Qu'est-ce qui me pousse à me mettre en colère? Dans quelle fréquence je me mets en colère? Pourquoi je me mets en colère? Pourquoi c'est toujours cette personne qui me met en colère? Comment c'est pas à comprendre ses motivations spirituelles? Pourquoi c'est toujours lui qui me pousse à me mettre en colère? Cela veut dire qu'il y a un but que le diable veut accomplir. Moi, je les appelle les agents du diable. Oui, ne laisse pas accomplir leur projet, comme le psaume nous dit. Ne laisse pas se dire que ah, nous nous réjouissons, nous sommes contents de ce que nous voulons. Non, ils veulent quoi? Ils veulent
te tuer. Ils veulent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça qui tombent. Mm-hmm. Gloire soit rendue à Dieu, peut-être qu'il n'est pas encore mort jusque-là. Mais le but du diable, c'est ça. C'est pour que tu puisses mourir. Il y a des maris comme ça qui sont venus dans ta vie, homme de Dieu. Cette personne-là est venue pour, comment on dit, pour te dévaliser. Donc, c'est les gens qu'on envoie. C'est les gens que le diable envoie. C'est le diable qui a mis dans ta vie. Le diable l'a envoyé dans ta vie, dans ton chemin, pour te tuer et que pour que lui, après, puisse bénéficier de tout ce que toi, tu as. Qui te dit que si tu meurs aujourd'hui, que tu es parti, qui te dit qu'il va s'occuper bien de tes enfants? Personne ne peut s'occuper de tes enfants comme toi-même tu t'occupes de tes enfants. Personne ne peut aimer tes enfants comme toi-même tu aimes tes enfants. Et on ne dit pas que l'homme et la femme n'aiment pas de la même façon, mais la façon que j'aime mes enfants, ma fille, la façon que je la protège, la façon que je prends soin d'elle, la façon qu'après l'école, quand je la lave, je regarde, je contrôle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'école? Parce que le monde maintenant, on ne sait pas. Il y a des viols, il y a de ça. Donc quand je lave ma fille, je lave pas seulement ma fille, mais je vérifie, je contrôle si tout va bien. Aucune personne après maman ne peut faire ça. Même la maman qui viendra après, même mon mari ne peut pas faire ça parce qu'il peut laver ma fille, mais il ne passera pas à contrôler les détails. Mais quand je ne suis pas là, qui va veiller sur mon enfant? Qui va veiller sur ma fille? Mais quand le diable a des projets un jour de violer mes enfants ou de détruire leur destinée, il va tout faire en sorte qu'il m'envoie quelqu'un pour que cette personne-là m'amène à la mort. Comme ça, lui peut ravager la vie de mes enfants, de mes filles, de mes garçons. Donc, tout ça, il faut comprendre. C'est quoi la motivation? C'est quoi les fréquences? Pourquoi on me pousse toujours à me mettre en colère? Mais pourquoi c'est toujours lui? Je vais intervenir. Chapitre 22, le verset 24, la Bible nous dit « Ne te fais pas compagnon de quelqu'un qui est sujet à la colère. » C'est ça. Donc, il faut vraiment éviter ces genres de personnes, ces genres de personnes qui te mettent toujours à la colère. Malheureusement, si c'est ton mari, parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, parce que je ne te conseille pas de te séparer de cet homme-là, parce que je plains cet homme-là qui te pousse tout le temps à te mettre en colère, parce que la Bible nous dit « Ne te fais pas compagnon de quelqu'un qui est sujet de la colère. » Amen. Parce que cette colère va te détruire. Et lui, elle va rester. La personne va rester. Mais toi, tu seras morte à cause de la colère. Donc, quelqu'un qui te met tout le temps en colère, il faut t'éloigner de cette personne-là. Il faut vraiment t'écarter de ce genre de personnes. Tu peux même demander à Dieu de les tuer. Donc, moi, je dis toujours, donc il y a ce genre de personnes que tu dois éviter. La mort lui revient à lui-même. Donc, si c'est un ami, bien aimé dans le Seigneur, évite ce genre d'amis qui te pousse tout le temps à être en colère. Amen. Parce que donc il a une mauvaise mission. D'accord, il a une mauvaise mission, il veut accomplir la mission du diable. La mission du diable c'est quoi? C'est que un jour tu puisses tomber malade. Et quand tu seras malade, il va trouver une autre femme. Toi tu seras dans ton lit de malade et puis il viendra avec une autre femme pour te rendre visite. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu des gens qui sont tombés malades à cause de la colère. Aujourd'hui, ils sont pas morts, mais ils sont devenus des épaves. D'accord? Donc ils sont là. On demande la grâce de Dieu sur la vie de ces personnes-là. Mais nous ne voulons pas que cela t'arrive. Donc c'est très malheureux d'avoir une femme qui te pousse tout le temps à être en colère et un homme qui te pousse tout le temps à être en colère. Parfois tu n'as pas envie de retourner à la maison. C'est ce que la Bible nous dit. Mieux vaut rester dans une maison où il n'y a pas de pain que d'aller dans une maison où il n'y a que de querelles. Quand quelqu'un revient du travail, c'est les disputes qui l'attendent. Amen. D'accord? Et ça c'est pas normal, bien aimé dans le Seigneur, nous devons tout faire pour que la paix puisse régner dans nos maisons, pour qu'il y ait la paix dans nos familles. Amen. Moi, j'évite de personnes qui me mettent toujours en colère. Que tu sois ma mère, que tu sois mon frère, si tu es une personne querelleuse, une personne sujet à ma colère, je vais tout faire pour t'éviter. Et parfois, tu diras, ah, pourquoi il ne vient pas me voir? Ah, pourquoi il est en train de m'éviter? Je suis en train de t'éviter pour ne pas être en colère, pour garder ma santé, pour garder ma paix, pour garder ma longévité. Donc, nous avons besoin de la paix, bien aimé dans le Seigneur. Fréquente des personnes qui sont capables de t'aider à rester en paix. Voilà un peu ce que nous voulons parler. Donc, là, on ne te pousse pas à divorcer, mais on te pousse à comprendre les motivations. Si cette colère vient à travers de ton mari, homme de Dieu, il y a des femmes comme ça qui n'ont même pas envie de travailler parce qu'ils ont des enfants, ils ont beaucoup à faire à la maison. Ils aimeraient bien rester à la maison, mais ils préfèrent aller travailler. Pourquoi? Parce que c'est là qu'elles trouvent la paix. Et c'est pendant qu'elle est en train de faire son travail que c'est un moment
pour elle, pour garder la paix, pour bien réfléchir, pour penser, pour regarder de loin ce qui se passe, parce qu'elle sait que quand j'arrive à la maison, c'est notre atmosphère et ce n'est pas agréable de vivre comme ça. Donc, on va étudier c'est quoi les fréquences et les personnes comme ça qui nous poussent toujours à mettre en colère, parce que je suis en train, c'est un peu le dimanche, qu'est-ce qui s'est passé à l'église quand... Vous avez prêché la prédication avec la colère et il faut faire l'exercice cette semaine pendant 6 mois de ne pas te mettre en colère. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Lundi matin, je vois les garçons, mes garçons qui allaient à l'école, ils ont ravagé, saccagé la salle de bain, l'eau était par terre, tout ça. Mais j'ai dit, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas parce qu'on m'a prêché que je ne dois pas me mettre en colère que vous me devez maintenant vous devez tester le niveau de ma colère. Parce que là, tu risques d'aller à l'école avec un bâton derrière ton dos si vous ne rangez pas cette salle de bain. Et là, je me suis énervé. Je n'ai pas prononcé de malédiction. Je ne me suis pas mis en colère et je n'ai pas ouvert les portes. Mais j'ai grimacé. Je suis allé dans la cuisine pour chercher la raclette pour dire que la personne qui m'a laissé de l'eau, je viens... taper les bâtons avant d'aller à l'école. Et quand je retournais, j'ai trouvé la salle de bain nickel, on avait essuyé, on avait rangé. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, il y a peut-être cette personne est victime de l'esprit qu'il a habité. Tu vois? C'est là que même ces gens ont réalisé, ah là on va me frapper, je vais aller le matin à l'école, il est 7h du matin, je ne mérite pas être. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Et la personne range. Donc cette personne, il ne s'est même pas rendu compte que le diable l'a utilisé. Donc c'est comme ça que tu dois te surveiller aussi. Il ne faut pas toujours à travers de toi pousser les gens à la mort, à travers de toi pousser les gens à la colère. Même, toi-même quand tu es là, est-ce que tu ne réalises pas que c'est toujours moi qui amène des problèmes dans cette maison? C'est toujours moi qui pousse les gens à se fâcher? Est-ce que tu ne comprends pas quand tu t'examines que t'es qui, par exemple? Est-ce que t'es un démon? T'es un esprit? Parce qu'une personne normale, elle va peut-être après changer, mais pourquoi tu n'arrives pas à changer? Donc tu dois chercher aussi ta délivrance. Tu dois demander ta délivrance, tu dois comprendre. J'ai aimé la réaction des garçons parce qu'ils ont compris. Ah, mais après j'ai dit à mon garçon, mais pourquoi tu as fait suer? Il a dit, ah, mais j'ai réalisé que c'était moi qui voulais te pousser à te mettre en colère. Amen. Alors avant que tu viennes, j'ai déjà essuyé. Amen. Ça veut dire que cette personne réalise que non, les diables veulent m'utiliser, mais je dois fermer cette porte. Mais pourquoi toi tu ne fermes, tu n'arrives pas à fermer la porte? Donc tu as une mission spéciale de me tuer. Donc quelqu'un comme ça, je vais demander à Dieu, si c'est à travers de lui qu'on est en train d'utiliser pour que moi je vais à la tombe, que le Seigneur se charge de lui-même. Qui va à la tombe lui-même. Ah, ok, parce qu'on aurait la question que je voulais poser. Bon, supposons que c'est ton mari qui te pousse à être tout en colère. Quel genre de comportement tu dois avoir avec cet homme? Je vais lui dire mon mécontentement. Je vais lui parler. Ça ne veut pas dire que comme je dois me mettre en colère, que je vais regarder toutes les bêtises qui se passent. Je veux parler, mais le problème c'est quoi? Je ne dois pas pécher. Je veux me mettre en colère. Je vais manifester mon mécontentement. Mais je vais faire avec mes mots du genre, toi tu es maudit, par exemple. Parce que quand je dis là, la malédiction va sortir de ma bouche, va l'atteindre. Ou va atteindre un des enfants. Ou il y a toujours comme ça. Je ne veux pas insulter. Par exemple, regarde, tu es vilain. Ah, ok, je te trouve jamais beau. Ce sont des choses, des choses que quand tu vas les dire, tu vas choquer quelqu'un. Je ne t'ai jamais aimé, par exemple, parce que je te trouve que tu es très moche, tu es très vilain. Ce sont des insultes que tu lances. Ça veut dire que tu es en train de pécher. Mais quand je vais dire mes contentements, je vais dire à quelqu'un, écoute, ce n'est pas par ta beauté que j'ai été attiré. J'ai été attiré parce qu'on a besoin de fonder une famille. Mais là, tu me pousses à te comparer de quelqu'un. Je n'ai pas envie. Je vais te montrer que j'ai envie de t'insulter, mais je ne veux pas parce que je me maîtrise. Mais là, maintenant, tu vas commencer à réfléchir. Et entre-temps, je vais toujours t'amener au tribunal céleste. Parce que tu es censé à m'accompagner toute la vie. Et je ne peux pas permettre à continuer de voir que c'est toujours à travers de toi que le diable est en train de déstabiliser notre couple. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais demander la justice de Dieu pour que si c'est toi qui es victime de l'ennemi, que tu sois libéré, que l'ennemi te lâche. Entre-temps, je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te fasse grâce, afin que tu ne sois pas toujours possédé de cet esprit. Mais entre-temps, je vais aussi demander la justice de Dieu. Il y a des gens qui sont peut-être possédés par un esprit, mais il y a des gens aussi, c'est leur mission. Il y a des gens qu'on appelle, comment on appelle ça, les gigolos qui viennent dans la vie des femmes pour profiter aussi. Ce genre de personnes existent, qui sont là, c'est sa mission, il va te pousser après pour rester avec tes biens. Ces gens-là sont là, peut-être qu'on ne les voit pas, on ne les connaît pas, peut-être ça arrive toujours aux autres, mais dans notre environnement, il y a ces gens. Moi, je connais ces gens de personnes qui sont là, quand tu les regardes, quand tu les examines, tu comprends sa mission. Cette personne est venue dans la mission de cette personne, pas pour l'amour, c'est pour un intérêt quelconque. Donc, ces genres de personnes existent. Je vais
toujours prier. Je vais demander la justice de Dieu, mais je vais manifester mon mécontentement pour te dire que je ne suis pas d'accord avec les choses qui se passent. Parce que si je ne le dis pas, tu ne sais pas que tu es en train de me mettre en colère. Gloire à Dieu. Merci. Nous allons nous arrêter ici et nous voulons rentrer dans la prière. Et avant que nous puissions passer dans la prière, il est important pour moi de dire à quelqu'un, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 37, c'est par tes paroles que tu seras justifié. Et c'est par tes paroles que tu seras condamné. C'est comme ça que j'avais dit, il était important que tu puisses avoir la maîtrise, la maîtrise de soi. Ne dis pas des choses sans avoir réfléchi. Avant de dire quoi que ce soit, réfléchis bien aimé dans le Seigneur, parce que la parole que tu dis aujourd'hui, c'est une sémence qui produira du fruit demain. Amen. D'accord? Donc chaque parole qui sort de ta bouche, c'est une sémence. Et tu dois faire attention pour savoir quelle sémence je suis en train de s'aimer. Quand tu dis à ton enfant que tu es moche, c'est une sémence que tu es en train de s'aimer dans la vie de cet enfant. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand tu dis à ton mari, je ne t'aime pas parce que tu étais en colère, et après tu dis, ah non, et pardonne-moi parce que j'étais en colère. Non, quand tu es en colère, ne parle pas alors. D'accord? Parce que la Bible nous dit, ne vous y trompez pas. Galates chapitre 6, le verset 7, ne vous y trompez pas. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Ce que tu sèmes avec tes paroles, tu le moissonneras. Tu dis à ta femme, je ne t'aime pas. Ne t'étonne pas que demain tu puisses attendre cette femme sortir avec un autre. Cette sémence-là, c'est qui l'a sémé? C'est toi-même qui l'a sémé dans la vie de ta femme. Parce que tu l'avais dit que tu ne l'aimais pas. Alors, quand elle a trouvé un autre qui lui a dit « je t'aime », qu'est-ce qu'elle s'est fait? Elle se laisse entre les mains de la personne qui l'aime. Parce que toute personne dans la vie a besoin d'être aimée. Même un éléphant, comme on le dit, a besoin des vitamines. Donc, quand tu dis des paroles, il faut réfléchir avant de dire des choses. Donc, réfléchissons avant de dire les choses. Donc, la Bible nous dit « race des vipères ». Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchant que vous l'êtes? Même Dieu, il s'étonne, il dit, mais comment, bien-aimé, tu peux être méchant, mais apprends à dire de bonnes choses. Dis de bonnes choses à ta femme, dis de bonnes choses à ton mari, dis de bonnes choses à Dieu. Dans la colère, il y a des vérités. Et la personne-là, effectivement, tu ne l'aimes pas. Maîtrise ta colère, bien-aimé dans le Seigneur. Tu le sors. Mais il ne fallait pas les sortir. Maîtrise ta colère. Ta colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Ta colère est là pour te détruire. Même quand tu es énervé, sache que cette femme-là, c'est ta maman. Ne dis pas à ta maman, je te déteste. Tu la détestes, bien aimé dans le Seigneur. Mais tu ne sais pas quels sont les sacrifices que cette femme a fait. Peut-être quand tu étais dans son sein, ton père, que tu aimes aujourd'hui, avait demandé que tu sois avorté. Mais c'est elle qui a dit que non, je garde ma fille. Elle n'est pas parfaite, mais c'est ta maman. Bien-aimé dans le Seigneur, fais très attention avec ce que tu dis dans ta bouche. Alléluia. Tout ce que nous déclarons dans nos bouches, bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sont que des sémences. Et nous allons moissonner en fonction de ce que nous sommes en train de s'aimer. Fais très attention avec ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu dis des mots à ton mari, sache ce que tu vas dire. Quand tu dis des mots à ta fiancée, sache ce que tu vas dire. Il y a des hommes qui te quittent. Pourquoi? À cause de ta colère, à cause de tes paroles. Quand tu parles mal. Quand tu parles, bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis avant de parler, priez avant de parler. Il y a des moments où tu dis, d'accord, ça va, aujourd'hui on peut se quitter ici, on se retrouve demain. Pourquoi demain? Toi-même, tu sais que si je parle maintenant, je risque de mal parler, d'accord? Et fais très attention aussi d'écrire, parce que, surtout avec Facebook aujourd'hui, vous aimez beaucoup écrire. Il y a un petit problème directement, tu commences à publier. Tout le monde va voir cela, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis pas bien, je suis fâché. On met les dessins que je suis fâché. Ah oui, je suis fâché. Les gens vont demander pourquoi tu es fâché. D'accord. Et les petits démons vont rentrer dans l'histoire qu'ils ne connaissaient pas. La personne concernée, elle sait que tu as publié cela pour elle. D'accord. Et tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, ça n'arrange pas les choses. Amen. Donc, le réseau social aujourd'hui, ça n'arrange pas les choses, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Amen. La maîtrise de soi est très importante pour nous, enfants de Dieu. Voilà ce que nous voulons partager. Alléluia. Aujourd'hui avec Procédé Laurent. Avant que nous puissions rentrer dans la prière, nous voulons dire encore à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu puisses apprendre à maîtriser ta colère. Maîtrise-toi. L'exercice qu'on s'était donné la fois passée, depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, tu as été en colère combien de fois? Ça, je voulais quand même le savoir. Est-ce que depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, tu as été en colère, d'accord? Comment tu as su maîtriser ta colère? Et donc, quelle est la personne qui te met tout le temps en colère? Est-ce que tu as déjà découvert cette personne? Et quelle est la manière dont tu dois te comporter? Moi, mon mari m'a mis en colère hier, mais je n'ai pas encore dit. Donc voilà, donc elle est... Je dirais peut-être la fin de la semaine, parce que là, je suis en train de me maîtriser, et alors
J'ai pas envie de parler maintenant. Non, voilà, 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 compassion Honorine. Donc, son mari l'a mis en colère hier. Là, je me maîtrise. Là. Je vais le parler peut-être après les émissions, les week-ends, les samedis. Comme ça, je sais que si je parle avant, peut-être ça risque d'abîmer mon humeur pendant les émissions. Donc, je vais parler peut-être les week-ends. On verra. Moi aussi, ma femme m'a mis en colère ce matin. Ce matin, elle m'a mis en colère parce que j'ai du mal à dormir avec la lumière et elle sait ça très bien, mais elle a laissé la lumière ouverte. Donc, depuis 3 heures du matin, je n'ai pas pu fermer l'œil. Pourquoi? Parce que la dame a laissé la lumière ouverte. Mais, alors, moi aussi, je suis en colère. Je le dis maintenant. Je dis ma colère. Pour ton explication, ta dame était en train de méditer, de prier et le sommeil l'a pris. C'est normal qu'elle dort aussi. Sans oublier, ça peut arriver qu'elle a oublié. Mais voilà, parce donc, qu'elle-même aussi, elle ne supporte pas la lumière. Donc, mais voilà, donc elle a dormi avec la lumière et moi, ça m'a coupé mon sommeil. Donc, je n'ai pas bien dormi et j'aurai mal à la tête parce que là, après ici, je vais encore aller à l'église, je dois travailler, je dois prier et ça me fait mal à la tête. Et je demande à madame, tous les jours, avant de dormir, il faut éteindre la lumière. Et ça, je l'ai dit tout le temps. Mais madame ne le comprend pas. Madame fait toujours la même chose. Ta fille chérie qui vient toujours sur ton lit, qui allume la lumière quand elle arrive. Donc voilà, voilà, ça c'est sa défense, on comprend. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Merci, merci. Donc nous allons incliner nos têtes devant la présence de Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu ce matin. Nous voulons bénir le Dieu, le Créateur qui nous a créés. Et nous voulons lui dire merci pour le beau moment qui permet que nous puissions passer dans sa présence. Donc il est important. Il est important pour nous de lui rendre des actions de grâce. Ce matin, tu vas élever ta voix bien-aimée dans le Seigneur et tu vas bénir le nom de Dieu. Tu vas lui dire merci parce qu'il est Dieu. Merci parce qu'il t'a accordé la vie. Il y a des autres qui sont morts aujourd'hui, mais voilà que Dieu t'a donné la vie, ma sœur. Voilà que Dieu t'a réveillé ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et que tu puisses bénir le nom de Dieu? Commence à dire merci à Dieu, ma sœur. Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Tout-puissant, prince de paix. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Nous te bénissons, toi qui es assis sur ton trône. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Alléluia, bénissons le nom du Seigneur, ma sœur. Je suis prosterné devant toi. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Ce matin, je viens me prosterner devant toi, te rendre grâce, louange, honneur, magnificence. Bénissons le nom du Seigneur, ma sœur. Dieu lui merci parce qu'il t'a donné la vie. Dieu lui merci parce qu'il t'a protégé. Merci Seigneur pour ta fidélité. Oh Dieu lui merci, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci Seigneur car nous la Bible bénissons est le nom de notre Créateur. Réunion, tu es présent parmi nous. Oh nous bénissons. Alléluia. Alléluia. Avec nos bien-aimés qui sont connectés. Alléluia. Nous ne sommes pas deux mais nous sommes à plusieurs. Nous sommes à plusieurs en train de prier Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi le Dieu. Alléluia, le Créateur de toutes choses. Toi qui es assis sur le trône de gloire. Est-ce que tu peux nous dire merci, nous te merci. Bénissons, Seigneur Jésus. Nous te disons merci te parce disons que tu nous as donné la pour vie. La vie. Oh, alléluia, nous te disons merci parce que tu nous as donné la santé. Oh, nous te disons merci parce que tu nous as donné la liberté. Combien des innocents se retrouvent en prison? Combien des chrétiens, Seigneur, se sont retrouvés en prison, Seigneur? Te disons merci, Seigneur malgré Jésus, nos erreurs, pour la Seigneur. Grâce que tu nous fais, tu es fidèle. Il y a des gens qui sont réveillés ce matin, mais malgré avec une nos mauvaise fautes, santé. Seigneur. Il y a Seigneur, des gens qui sont réveillés gardé, ce matin, mais qui ont protégé. Piqué des crises. Oh, il y a ce des matin, personnes nous à leur ton réveil, nom. Seigneur Jésus, ce sont matin, tombés. Nous ils n'ont pas nom. Eu la force ce de matin, mettre leurs pieds par ton terre, nom. Mais ils tu sont tombés parce qu'ils sont réveillés Dieu. En très mauvaise santé. Oh, en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Sois béni ce matin, Seigneur. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin, Seigneur. Je te dis merci pour ma vie. Oh, je te dis merci pour ma santé. Je te dis merci pour ma liberté. Avec le 24 vieillard, je me procède devant ton nom. Temple, Seigneur, j'enlève la couronne de ma beauté, j'enlève la couronne de ma connaissance, j'enlève la couronne, Seigneur, de ma stabilité, Seigneur, la couronne de ma renommée, au devant de ton trône, je m'incline et je te demande de me bénir, Seigneur, bénis ma vie. Il y a des parents qui sont réveillés, mais les enfants sont morts merci en ce Seigneur moment. Jésus. Seigneur, que ton
nom soit béni. Oh, merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit exalté. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier le Seigneur. Demande à Dieu de te bénir ce matin. Mm. La Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Mm. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Mm. Tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi ce matin. Mm. Bénis-moi ce matin. Seigneur, étends ta main glorieuse dans ma vie. Mm. Visite ma vie. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour la journée. Demande à Dieu de te bénir maintenant, qu'il te donne la provision pour cette journée. Mm. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci, 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 Seigneur. Bénis-moi ce matin. Ce matin, je me lève vers toi, Seigneur. Je demande la provision. Mm. Je demande bénis-moi, la bénédiction. Bénis ma vie, Seigneur. Je t'invite bénis dans ma maison, vie, Seigneur, Seigneur mon Dieu. Viens Alléluia. Regarder, viens localiser. J'ai besoin de ta bénédiction. Viens fouiller, remplir la mes bénédiction greniers, de l'Éternel. Là où qui je manque, Seigneur Jésus. J'invoque, je demande l'abondance, Seigneur. Ce matin, je viens dans tous les domaines de ma vie, dans ma maison. Là où il y a vide, là où il y a insuffisance. Seigneur, bénis ma vie, Seigneur. Viens le remplir, remplis mes greniers. Seigneur, par ta bénédiction, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis ma ta bénédiction vie, financière, bénis, ta bénédiction bénis matérielle, bénis la vie de ta ma bénédiction femme, morale, bénis la vie ta bénédiction de mes enfants, spirituelle. Au nom de bénis-moi, Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur Jésus, Nazareth. Ce matin. Demande au à Dieu de te bénir, Seigneur. Bénis ma vie, bénis ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Bénis mon mari, que ma bénis vie ma soit maison. Bénie, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur Alléluia, Jésus. Que mes enfants soient bénis, Seigneur. Alléluia, nous avons besoin de ta bénédiction. La Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Demande à Dieu de te bénir. De toi. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Tu nous bénis dans le lieu merci céleste. Seigneur tu nous bénis sur la terre. Merci Seigneur merci Jésus. Merci pour ta bénédiction. Oh, écoutez-moi, la Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 66, le verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons être humbles devant Dieu. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, oui, c'est vrai, tu es juste et fidèle. Je viens te demander pardon. Pardonne-moi pour mon orgueil, pardonne-moi pour mon manque de pardon, pardonne-moi pour ma colère. Nous allons confesser notre péché devant Dieu, car la Bible nous dit il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Bien aimé dans le Seigneur, mieux serait de le confesser pour que Dieu puisse nous pardonner, pas auprès d'un prêtre, pas auprès d'un pasteur, mais devant le trône de Dieu. Je vais avoir quelqu'un qui est incliné devant la présence de Dieu et qui dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour ma colère. Élève ta voix, bien aimé dans le Seigneur, pour le tout toi que tu as été en colère. Alléluia, pour Seigneur. Le nombre de fois, demande pardon, demande pardon. De fois, demande pardon pour l'orgueil qui est en toi. Demande énervé, pardon pour le manque de pardon. Demande pardon pour l'adultère. Demande pardon, bien aimé dans le Seigneur. Tu as laissé entrer le démon en toi. Demande pardon à Dieu. Alléluia. Ah, j'entends quelqu'un qui dit à Dieu, pardonne-moi parce que je suis allé fréquenter le voyant. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai brisé tout ce que tu m'avais donné, Seigneur. Comme Moïse, j'étais dans ta présence et tu m'as donné des choses, mais je les ai brisées à cause de ma colère. Ah, j'entends quelqu'un qui parle à Dieu ce matin. Ah, j'entends quelqu'un qui parle à Dieu ce matin. Au nom puissant de Jésus, confessez ton péché auprès de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux le confesser maintenant? Est-ce que tu peux le confesser maintenant? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est juste et fidèle pour te pardonner. Au nom de Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Pardonne de mes péchés, Seigneur. Pardonne le mal que je te fais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Ce que tu m'avais interdit, je l'ai fait, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Ah, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour les iniquités de mes parents, pour le péché de mes parents, pour le péché de mes ancêtres, pour le péché de ma famille. Lamentations, chapitre 5, le verset 7. La Bible nous dit, nos parents ont péché, ils ne sont plus, et nous sommes en train de payer le prix de leurs iniquités. Pour ne pas payer le prix des iniquités de tes parents, lève ta voix et commence à confesser les iniquités de tes parents et demande à Dieu de te le pardonner. Au nom Seigneur de Jésus-Christ Jésus. De Nazareth, Éternel, pardonne l'iniquité de mon père, Isaac Van George, Seigneur. Pardonne, Seigneur, l'iniquité de mon père, Seigneur, mon Dieu. Sorciers. Oui, je sais que mon père t'a servi, mais il n'a pas été parfait dans ce voie, Seigneur. Il a
a commis des erreurs que moi je connais et les erreurs que moi je ne connais pas, Seigneur. Je te demande pardon pour ces iniquités, Seigneur. Oh là où mon papa a péché, Seigneur, éternel, je viens implorer ta miséricorde. Je te demande pardon, Seigneur, pour ces désordres sexuels. Je te demande pardon, Seigneur, pour avoir à cesser de confier, Seigneur. Éternel, j'implore ta miséricorde, Seigneur. Je te demande pardon pour ma mère, Seigneur, mon Dieu. Je te demande pardon pour le tempérament explosif de ma maman, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, mon Dieu, pour le mauvais caractère, Seigneur, de mes parents, Seigneur. Je viens implorer ta miséricorde. Ne me traite pas, Seigneur, selon les iniquités de mes parents, Seigneur. Ayez pitié de moi, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus. Oh, protège-moi, garde-moi sous tes ailes protectrices, afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Oh Seigneur Jésus, protège-moi, garde-moi sous tes ailes protectrices, afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. J'ai besoin de ta protection, ta protection dans ma vie. Seigneur, protège ma vie, protège-moi par ton sang. Exode chapitre 12, le verset 13, la Bible déclare, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Demande la protection par le sang de Jésus. Que ta vie soit marquée par le sang de Jésus. Que ta vie soit protégée par le sang de Jésus. Que tes enfants soient protégés par le sang de Jésus. Allez, commence à demander la protection au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia, commence à prier maintenant au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia, alléluia. Ne s'arrête pas devant ma maison. Alléluia. Il ne s'arrête pas à travers de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, il ne s'arrête pas à travers de mon mari. Il ne s'arrête pas devant ma porte. Je l'éloigne de ma maison à cause de ton sang. Que ton sang marque ma maison. Que ton sang marque mon front. Que ton sang marque mes enfants. Que ton sang couvre ma maison. La protection par ton sang dans ma maison, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. J'invoque ton sang. Merci, Seigneur Jésus. J'invoque la couverture de ton sang. Au nom puissant du Seigneur Jésus. En quelqu'un dit à Dieu, Seigneur Jésus, consolide ma foi. Consolide ma foi. Consolide ma foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1, le verset 17. Demande à Dieu de consolider ta foi. Or, la Bible nous dit ça, la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Seigneur, consolide ma foi. Donne-moi la foi, Seigneur, cette petite foi dont j'ai besoin pour vivre ici sur terre. Seigneur, je te prie, donne-moi la foi, Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, ce matin, nous sommes en train de parler à Dieu. Ah, j'entends quelqu'un qui parle à Dieu. Ah, j'entends quelqu'un qui parle à Dieu. Quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, merci de me donner la foi. Oh, une foi forte. Oh, une foi excellente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah, j'entends quelqu'un qui prend sa victoire maintenant par la foi. Tu vas déclarer ta victoire. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à prophétiser ta guérison maintenant. Allez, commence à déclarer ta guérison maintenant. Allez, parle avec la foi. Prends ta victoire avec la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vivante, élue la parole de Dieu, efficace, élue la parole de Dieu. Déclare-le maintenant. Au nom puissant de Jésus, le parole qui sort de ma bouche, elles ne reviendront pas en toi sans effet. Commence à prier maintenant. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. Au nom puissant de Jésus. Déclare la victoire sur la colère. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier maintenant. Commence à déclarer ta victoire. Commence à déclarer ta victoire. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Commence à déclarer ta victoire. Déclare ta victoire maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Est-ce que tu l'as déclaré, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu l'as déclaré? Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier ce matin. Nous voulons dire à Dieu d'envoyer des anges pour exercer leur ministère auprès de toi. Hébreux chapitre 1, verset 14, la Bible nous dit, Dieu est capable d'envoyer des anges pour exercer leur ministère auprès de toi. Que les anges t'assistent tout au long de cette journée. Que Dieu envoie des anges sur ta route. Qu'ils viennent avec la bénédiction. La Bible nous dit, Jacob a vu une échelle. Et dans cette échelle, il y avait
il y avait le trafic des anges, que les anges descendent aujourd'hui avec la bénédiction dans ta vie. J'entends quelqu'un qui va prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, bienvenue dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 34, le verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Demande les anges, demande les anges. Demande les anges, demande les anges. Seigneur, envoie des anges dans la mission dans ma vie. Envoie des anges dans la mission dans ma vie. Alléluia. J'ai besoin des anges, Seigneur. Le Seigneur m'avait envoyé pour les anges me visitent. Que les anges descendent aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les anges de Dieu, venez dans ma vie. Venez dans ma vie. Venez dans ma vie. Venez dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi bien, aimé Seigneur. Écoutez-moi, écoutez-moi. Le psaume 34, le verset 8, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Bien-aimé, nous voulons que Dieu envoie des anges pour t'aider, pour t'assister et pour te protéger. Demande à Dieu, Seigneur, envoie tes anges pour me porter dans leurs mains, en fait que mon pied ne heurte contre une pierre. Le psaume 91, le verset 11, que Dieu envoie des anges aujourd'hui dans ta vie. Demande la mission des anges dans ta vie, qu'ils viennent opérer dans ta vie, qu'ils viennent te porter, te protéger, t'aider, te garder. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Alléluia. Seigneur, envoie des anges. Envoie des anges. Envoie des anges. Envoie des anges. Ah, j'entends quelqu'un qui prie ce matin. Oh, Michael. Oh, alléluia, le chérubin. Oh, alléluia, le séraphin. Seigneur, je réalise au nom de Jésus que l'archange Michael et la légion des anges viennent dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour me déjouer dans ces pièges. Michaël et toi, est-ce les gens. Sécurité, mes alléluia, enfants, alléluia. Quand ils sortent de la maison, protège qu'ils vont à l'école. Que ce soit depuis la maison jusque partout, ils passent durant leur journée. Des anges les accompagnent. Des anges les accompagnent, les surveillent, les protègent, les arrachent. Au nom de Jésus-Christ, les Nazareth. Les arrachent entre les griffes de l'ennemi. Les arrachent entre les pièges. Ma femme. Que tes anges protègent ma femme. Que tes anges protègent mes enfants. Mes enfants biologiques. Alléluia. Mes enfants spirituels. Oh, protège-les, Seigneur. Que tes anges le protègent ce matin. Au nom de Jésus-Christ, les Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au partout où j'irai, Seigneur, que tes anges m'accompagnent, Seigneur, au partout où je serai, Seigneur, que tes anges me précèdent, Seigneur, au que tes anges me portent, Seigneur, dans leurs mains, afin que mon pied ne heurte contre une pierre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, tu as donné l'ordre à tes anges de nous protéger dans toutes nos voies. Dieu a dit, Seigneur, donne l'ordre à tes anges de me protéger dans toutes mes voies, dans mes rendez-vous, que tes anges me protège, Seigneur. Alléluia, dans le travail qui sera fait aujourd'hui à l'église divine alliance. Que tes anges m'assistent, Seigneur. J'appelle l'assistance de tes anges. Au nom puissant de Jésus-Christ, à Nazareth. J'ai besoin de vous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que tes anges passent à l'avant pour déjouer leurs plans. Alléluia. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'attends quelqu'un qui rend grâce à Dieu et qui bénit le nom du Seigneur. Bénis-lui, Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il a écouté ta prière. Oh, dis-lui merci parce qu'il t'a parlé ce matin. Oh, dis-lui merci, bien-aimé dans le Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il t'a parlé. Dis-lui merci parce qu'il t'a écouté. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un qui parle à Dieu. J'entends quelqu'un qui parle à Dieu. Merci pour la protection. J'entends quelqu'un qui parle à Dieu. Merci pour la au santé, nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Merci pour la vie éternelle. Merci Seigneur, merci, Jésus. Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Quelqu'un dit avec moi, je serai au bon endroit. Je serai au bon endroit. Dans le bon moment. Dans le bon moment. Et aux bonnes circonstances. Et dans les bonnes circonstances. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucune maladie ne m'arrivera. Aucune maladie ne m'arrivera. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Je vivrai. Je vivrai. Et je témoignerai. La faveur de Dieu dans ma vie. De Dieu dans ma vie. Ma journée. Ma journée. Tu es pour moi. Tu es pour moi. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Merci, Seigneur merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ma merci, journée. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ma journée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur amen. Jésus. Amen. 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 Et amen. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce matin. En tout cas, nous nous fixons rendez-vous pour demain, même heure, même personnage, donc de 6h à 7h. Et nous vous donnons l'adresse de l'église, nous vous donnons les coordonnées de l'église qui se défilent.
Donc, vous pouvez nous joindre avec ces numéros, avec ces contacts. Téléphonez-nous, écrivez-nous, que ce soit par mail, que ce soit par Facebook, que ce soit par YouTube, que ce soit par téléphone. Vous pouvez écrire des SMS, vous pouvez téléphoner ou même vous pouvez vous rendre à l'église, à la Divine Alliance à Bruxelles, si vous êtes à Bruxelles ou aux environs. Donc, notre adresse, c'est à Bruxelles. Nous sommes à Schaerbeek. Nous sommes au 421 chaussée d'Acte. Et là, c'est à 1030 Bruxelles. Nous vous attendons. Et si vous êtes aux environs de Liège, vous êtes à Hollande, Allemagne, à Aachen, dans tous les environs de Liège, nous sommes à la rue Ferdinand Nicolas, numéro 39. Et là, nous sommes à Ougré. Donc, à Ougré, à la province de Liège. Vous pouvez nous joindre là-bas. Vous pouvez vous rendre à l'église là-bas. Donc, à Liège, nous sommes le jeudi et le dimanche. Et à Bruxelles, nous sommes de mardi jusqu'à dimanche. Nous vous attendons. Venons nombreux, venez nombreux, venons nombreux. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous vous voilà, aimons c'était. Beaucoup. Nous vous aimons, nous vous portons dans nos cœurs. Nous espérons que le Seigneur nous fasse grâce, que nous voyons encore, encore et toujours. Que le Seigneur vous bénisse, que votre journée soit bénie, favorable au nom de Jésus. C'était là le couple apostolique Honorine et Bolavie Isao pour vous servir. Nous vous prenons congé, nous vous disons au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.